Nos quartiers ont du talent. L'association créée il y a 10 ans, mais active en région centre depuis seulement un an et demi, se réunissait hier à l'initiative du MEDEF. L'objectif, aider de jeunes diplômés Bac plus 3 minimum à s'insérer sur le marché professionnel. Il faut dire que les jeunes issus des quartiers dits sensibles ont très souvent beaucoup de mal à franchir la porte de l'emploi. En Indre-et-Loire, 120 jeunes sont à la recherche d'un parrain. Ce qui freine, c'est quoi? Je viens d'un quartier prioritaire, Fontaine. C'est le quartier pauvre. Du coup, nos façons de parler, c'est différent quand on voit aussi des camarades qui sont dans l'école, ceux qui viennent de quartiers aisés, c'est différent. Avec un parrain qui connaît le milieu professionnel, il saura comment m'orienter, comment employer des vocabulaires convaincants et tout. On est sur un complément de dispositif par rapport à ce qui est fait par Pôle emploi, par les missions locales, par les associations. On vient en complément. On considère que l'œil du cadre qui est en activité dans l'entreprise va être ce petit plus qui va aider les jeunes à comprendre les codes de l'entreprise, à accéder à des réseaux. Et c'est ce qui manque aux jeunes que nous suivons.